Alors bonjour à tous, on est dans notre cinquième causerie sur les brèves leçons talmudiques. Et comme on s'approche à grands pas de la fête de Pessah, puisque ce soir on commence la cérémonie, je vais parler encore une fois, deuxième causerie sur le sujet. Et là je vais aborder une thématique très originale, un peu presque inattendue. Vous allez voir un petit peu comment fonctionne la chose. On va parler de la notion de mesure. Donc la notion de mesure en hébreu, ça se dit shiour, qu'on pourrait traduire par quantité. Le contexte, c'est de dire, on a déjà expliqué un petit peu la semaine dernière, vous avez le texte de la Torah, à propos duquel on déduit des lois qui sont d'ordre, qui sont des lois de la Torah. En hébreu, ça s'appelle Midéoraïta, enfin dans le langage talmudique. Et on a la manière dont les rabbins vont décliner cette loi pour faire différentes barrières. Ça s'appelle Dérabanan, la loi rabbinique. Bon. Dans la Torah, il y a écrit, à chaque fois, pratiquement à chaque fois, avec des nuances, on va éviter les nuances cette fois, à chaque fois qu'il est question d'interdit alimentaire, la Torah, elle dit l'otochelou, vous ne mangerez pas. L'otochelou, ça vient du mot ochel, qui veut dire manger, qu'on traduit par manger, en réalité ça veut dire consommer, mais. C'est le terme qu'on emploie même en hébreu moderne, ani ochel, je mange. Le Talmud conceptualise les mots bibliques, c'est la démarche talmudique, et considère qu'on appelle, on rentre dans la catégorie de manger une certaine quantité. Moins que cette quantité, ça s'appelle pas manger. D'ailleurs, même en français, on a le terme de goûter. Si je dis à quelqu'un je goûte, ou si je dis je mange, même si on n'a pas évalué la quantité précise, on sait que goûter, c'est juste, voilà, je goûte s'il y a assez de sel dans le plat, ou je goûte un gâteau à la crème que mon ami a acheté et que j'ai juste envie de goûter le goût qu'il a. Voilà, ça s'appelle goûter. Mais manger, c'est s'asseoir et manger. Après, on a dégusté, on a plein d'inclinaisons, en hébreu aussi. Donc on va considérer que ça a un poids. Le poids, c'est un poids qu'on appelle kazaït. C'est la valeur d'une olive. Alors, ne cherchez pas à prendre une olive et à la peser, ça ne sert à rien, parce que ce sont des normes qui existaient dans l'Antiquité, comme le coudé, la palme, etc. Ce sont des normes qui existaient dans l'Antiquité. On a kazaït comme le poids d'une olive, on a kabetsa comme le poids de l'œuf, ogéret comme le poids d'une figue, on a kakotévet comme le poids d'une datte, et d'autres encore. À chaque fois, on évalue en fonction d'une norme qu'on a fixée à partir d'un fruit ou d'autres choses. C'est toujours un petit peu comme ça que ça fonctionne. Donc la Guémara, dans beaucoup d'endroits, elle dit « En achila pruta mikazaït » il n'existe pas de notion d'alimentation, de nourriture. On ne considère pas, je vais le dire autrement, on ne considère pas faire acte de manger si on mange moins que le poids d'une olive. Donc si la Torah elle dit par exemple « L'otochelou, vous ne mangerez pas de la viande interdite, comme par exemple le porc », c'est qu'elle veut dire qu'il ne faut pas manger la quantité requise, c'est-à-dire le poids d'une olive. Maintenant, le Talmud pose une question dans le traité Yoma. Donc là, j'ouvre le Talmud. Hein, on ne le présente plus. Alors, c'est page 60, Aïn Gimel Amoud Bet, c'est-à-dire 60 Gimel feuillet, 73, pardon, feuillet B. Vous savez, je mélange l'hébreu et le français. Il y a là-bas une discussion pour savoir qu'en est-il de celui qui mange moins que la peau, que le poids. C'est-à-dire qu'au lieu de manger. Alors, il y a des débats rabbiniques sur le poids d'une olive. Certains disent que ça correspond environ à 19 grammes, d'autres à 30 grammes. Il y a plusieurs avis. On va dire 30 grammes, parce que ça va être plus simple, vous verrez pourquoi. Donc, au lieu de manger 30 grammes, il a mangé moins que 30 grammes. Il a mangé 10 grammes, 15 grammes, 20 grammes. Il y a une discussion entre deux avis, qui sont souvent en discussion dans le Talmud. Rabbi Yochanan, qui est du 3e siècle, et son compagnon d'études, Rabbi Shimon ben Lakish, Resh Lakish, et ces deux avis nous disent, en fait, Rabbi Yochanan, il dit qu'il fait quand même un interdit de la Torah. Il fait un interdit de la Torah quand même, sauf que la culpabilité commence à partir du poids de l'olive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sentence. On va dire que, il ne payera pas le PV de 135 euros, pour aller vite, hein. Je ne rentre pas dans trop de détails.
Il n'est pas puni. À l'époque du tribunal, il y avait des punitions qui n'existent plus aujourd'hui. Heureusement. Rabbi Shimon ben Lakish, qui est son compagnon d'études, on en reparlera beaucoup de fois de ce personnage, lui, il dit non, ça n'est interdit que d'ordre rabbinique. Ça, c'est le débat. Le Talmud, ici, applique un raisonnement que je vais vous expliquer maintenant. Dans notre prochaine causerie, on reviendra sur ce sujet parce qu'on va faire deux causeries sur ce thème. La Guémara, elle dit pourquoi c'est interdit de manger moins que le poids de l'olive, alors que la Torah, elle a dit uniquement manger. Parce que ça peut s'associer avec encore une quantité et arriver à 30 grammes, c'est-à-dire arriver au poids de l'olive. En hébreu, ça dit, enfin, c'est pas de l'hébreu, mais disons l'araméen talmudique, Mishum de Chazil et Itztaroufé, parce qu'il peut s'associer à une quantité. Et le Talmud va le déduire d'un verset qui dit Kol chelev l'Adonai, que toutes les graisses qui étaient prélevées de l'animal à l'époque du temple étaient réservées à Dieu. Donc quand on amenait un sacrifice, on pouvait en consommer une partie, mais les graisses, elles étaient réservées à Dieu. Pourquoi c'est pas écrit la graisse est réservée à Dieu? Pourquoi c'est écrit le kol, ce tout? Le tout englobe quelque chose, il englobe même la moitié, même moins que la mesure. Pour l'instant, on verra la question de la moitié. Moins que la mesure, même si en hébreu on appelle ça chatzi shiur, et chatzi shiur ça veut dire la moitié. C'est précis. Le chatzi shiur, on le prend au sens large, on dit ça veut dire moins que la mesure. Ça peut être 2 grammes, 3 grammes, 4 grammes, etc. Maintenant, on va passer à notre problématique dans le Rambam, le Mishneh Torah de Maïmonide, où lui, il résume la tradition juive. Il rapporte cette problématique dans plusieurs endroits de son livre, on va les voir. Mais d'abord, on va s'intéresser au passage qui nous intéresse, c'est-à-dire les lois de l'interdiction de manger du chametz, c'est-à-dire de manger du levain. Les Juifs ne peuvent pas manger du levain à Pessah, on y est maintenant, pour ceux qui le pratiquent. Et là-bas, le Rambam il dit une chose, c'est un des textes du Rambam qui a été le plus commenté dans toute son œuvre. Il y en a quelques-uns comme ça, qui font partie des gros calibres. Moi, j'avais personnellement commis un ouvrage en hébreu beaucoup plus jeune, j'avais 21 ou 22 ans. Bon, je ne suis pas là pour faire ma promotion. Et j'ai travaillé sur ce sujet. Là, je vous prélève uniquement un tout petit élément du texte. C'est un texte qui fait 20 pages. On ne va pas rentrer dans trop de complications. Et voilà ce que nous dit Maïmonide. Aochel min hametz satsmo ba pesach, celui qui mange du levain à pesach, kol shehu, même une quantité infime, arezé asur min haTorah, il commet un interdit de la Torah. Il n'est pas coupable, mais il commet un interdit de la Torah. Chez Nehemar, comme il est dit, lo yaachel chametz, le verset donc de l'Exode 12:3, qui nous dit Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir, et il ne sera point mangé de pain levé. Les Bibles traduisent très mal, il ne faut pas traduire et on ne mangera pas de pain levé, mais il ne sera point mangé, comme si que l'acte se faisait de lui-même. Je parle de l'expression hébraïque, hein. Lo yéachel, c'est qu'il ne soit pas mangé. Donc, le Rambam dit, puisqu'il y a écrit un langage un peu étrange, qu'il ne soit pas mangé, ça veut dire qu'ici, on n'applique pas la notion de manger à partir du poids de l'olive, parce que ça concerne l'homme qui mange, mais le fait que le chametz soit mangé par l'homme. Donc, c'est même une quantité minime. Voilà le texte de Maïmonide. Et tous les commentateurs lui tombent dessus. Pourquoi Maïmonide il est parti chercher une élucubration sur le verset d'Exode 12, alors que dans le traité Yoma que je vous ai cité, on nous rapporte le verset Kol Chelev qui parle de la graisse. Et ça implique pas seulement l'interdiction de manger du chametz à Pessah, mais tous les interdits alimentaires. Et en réalité, même les autres. Mais ça, on en reparlera à une autre brève leçon talmudique. Pour l'instant, on reste dans le problème alimentaire. Donc pourquoi le Rambam fait taire en fait la source qui est rapportée dans le Talmud, et il en choisit a priori arbitrairement une autre. Il y a énormément de réponses qui ont été données là-dessus. Moi, je vais vous en apporter une qu'on va analyser.
Dans parmi les auteurs du Moyen Âge, les commentaires du Talmud, il y a un commentateur d'un rabbin qui s'appelait Rabbi Moshe Chalava. Il était du 14e siècle, donc c'est un séfarade, il vivait à Barcelone. Et lui, il a écrit un commentaire qui est un classique, un ouvrage classique, sur le traité de Pessachim, qui parle donc de la fête de Pessach. C'est un ouvrage quand on étudie Pessachim, on a recours à cet ouvrage. Là-bas, il dit, dans ce livre, il dit que quand on a dit que l'interdiction de manger du chametz à Pessah, en général, tous les interdits, quand on a dit en général l'interdit de chatzi shiur, c'est-à-dire la moindre mesure, en réalité, on commet une erreur. Chatzi shiur, ça ne veut pas dire une quantité infime. Chatzi shiur, littéralement, chatzi, c'est la moitié. Comme on dit dans le quartier du Sentier, quand on fait une affaire, on dit on fait chatzi-chatzi, on fait moitié-moitié. Donc chatzi, c'est la moitié. Donc si j'évalue, par exemple, le poids de l'olive à 30 grammes, l'interdiction de la Torah, c'est 15 grammes précis, à partir de 15 grammes. Si j'ai mangé que 10 grammes, j'ai fait uniquement un interdit d'ordre rabbinique. Cette conception du Maharam Chalava est une conception qu'on appelle dans le langage des yeshivot, c'est un chidouche extraordinaire, c'est une nouveauté que personne, a priori, ne dit comme lui. Et même après, ça va être réfuté, on ne va pas être d'accord avec lui, etc. Mais si on s'en tient à cet avis, alors moi, dans mon long texte où j'ai abordé cette question, je ne retiens pas cet avis finalement. Mais là, pour le coup, puisque je fais une brève leçon talmudique, je vais le renforcer et je vais lui donner du sens. Si on retient cet avis, on peut expliquer le texte de Maïmonide. Maïmonide, chaque fois qu'il est question de Khatsi Shiur, c'est-à-dire de la moitié de la mesure, on pourrait dire que Maïmonide pense, comme le Maharam Chalava, que c'est la moitié précise, enfin à partir de la moitié, hein, si c'est 20 grammes, évidemment c'est plus, qui peut le plus peut le moins. On a évalué Kazaït à 30 grammes, rappelez-vous. Mais manger 10 grammes, Maïmonide serait d'accord avec lui. Ce n'est pas interdit minatora, d'après la Torah. Or, dans les lois de Hametz ou Matza, les lois qui sont devant nous, si je reprends le texte de tout à l'heure, je vous le relis, vous allez voir. Le Rambam Maïmonide écrit donc, on l'appelle le Rambam, Aochel min Hametz atzmo, celui qui mange du levain, kol shehu, quelle que soit la quantité. Et on sait que ces auteurs-là ne font extrêmement attention à leur langage. Ils sont extrêmement précis. On ne peut pas dire qu'il a écrit ça comme ça à la va-vite. Kol shehu, ça veut dire même moins que 15 grammes. Donc grâce à l'explication du Maharam Chalava, on va comprendre son analyse. Le Maharam Chalava, dans son texte là-bas, il parle de l'interdit général, c'est-à-dire dans tous les interdits alimentaires, de Khatsi Shio. Que effectivement, la moitié de la mesure, c'est la moitié précisément. Et quand la Torah elle a dit Kol Chelev, toute graisse, elle voulait dire que c'est interdit Chatzi, la moitié. C'est pour ça que Maïmonide il ajoute le verset de Lo Yeachel, c'est-à-dire qu'il ne sera pas mangé, pour indiquer que dans Pessah, il y a une sévérité plus grave que dans les autres interdits alimentaires. La Torah l'a interdit même une quantité infime. Et voilà pourquoi Maïmonide dit Kol Shehu, même moins que rien, enfin moins 2 grammes par exemple. Donc dans les interdits d'une façon globale, Maïmonide dira que la moitié, c'est la moitié pile. Mais dans les interdits de Pessah, puisqu'on a un verset supplémentaire qui est spécifique à Pessah, c'est même une quantité infime. Donc pour Pessah, c'est une quantité infime. Puisqu'il y a un verset spécifique. Pour les autres interdits alimentaires, où je n'ai un verset que d'ordre général, qui parle de tous les interdits alimentaires, là, la moitié, ça veut dire la moitié vraiment. On pourrait répondre comme ça. Pourquoi cette réponse ne va pas? Pardon, excusez-moi. Parce que si on regarde le texte de Maïmonide,
ailleurs. Je vais donc vous ouvrir un autre texte qui se trouve dans les lois d'interdit alimentaire, Ilchot Ma'achlot Asurot. Vous allez voir, c'est très ludique. Dans les lois d'interdit alimentaire, où là Maïmonide se place sur la question d'ordre général, là-bas il écrit Ve'asur mina Torah. Excusez-moi, je vais commencer par le début. Chapitre 14 des lois d'interdit alimentaire, il nous dit Kol isure ma'achlot sheba Torah, toutes les interdits alimentaires de la Torah, Shiuran bekazait, leur mesure, c'est le poids d'une olive. Cette mesure-là, Veshiurze, Imkola Shiurin, comme toutes les autres mesures qui sont fixées, qui ont été établies, elle repose sur une loi orale qui a été transmise par Moïse. C'est-à-dire que la Torah ne dit pas le poids de l'olive, mais on comprend à partir d'un enseignement oral. Mais par contre, la Torah, Veshur Mina Torah, la Torah, elle a bien interdit les Echol de manger Kol Sheu, une quantité infime de l'interdit. Et là, on a colché. Donc, toute mon explication basée sur le Maharam Khalava ne tient plus. Puisqu'on a dit que Pessah, on a un verset spécifique qui ne s'applique pas pour les autres interdits alimentaires. Et la preuve, c'est que le Rambam, Maïmonide, dit colché où, c'est-à-dire même une quantité infime. Et bien, ça ne tient pas la route, puisque là, je vous ai apporté la preuve que dans les lois d'interdits alimentaires, Maïmonide aussi emploie l'expression colché où. Rappelez-vous, je vous avais dit que je vais le renforcer, le Maharam Khalava. Comment je vais le renforcer? En nuançant son propos. Comment je vais le nuancer? On va rentrer dans une petite chose qu'on appelle la Haggadah, la narration. Donc là, on est dans quelque chose de plus ludique. Enfin, c'est pas que c'était pas ludique avant, mais disons de plus fluide. Dans le Talmud, dans le traité Gittin, alors excusez-moi, parce que comme ça, au moins vous le voyez, dans le traité Gittin, là-bas, la Gemara, elle dit, le Talmud, en fait, nous dit qu'il est interdit de provoquer à quelqu'un une transgression, même inconsciente. Par exemple, j'ai abattu une bête pour lui donner à manger, donc j'ai fait ce qu'on appelle la shrita, l'abattage rituel, et il y a une entaille, je l'ai mal fait, l'abattage. Et je lui ai donné de la nourriture interdite à manger. Je lui ai rien dit. Il ne savait pas. Donc le Talmud parle ici de ça. Il dit il ne faut pas faire ça. Mais on nous raconte une histoire d'un rabbin que ses élèves ont eu peur de sa sévérité. Et donc on remet en question sa sévérité trop excessive. Et ils lui ont quand même donné à manger quelque chose d'interdit. Et la Guémara réfute ça, parce qu'elle dit « c'est pas possible », parce qu'il y a écrit dans le verset des Proverbes que Dieu n'envoie pas de trébuche au juste. Qu'est-ce que ça veut dire « il n'envoie pas de trébuche au juste » C'est-à-dire qu'il les protège de tomber même dans un interdit inconscient. Et donc la Guémara répond et elle dit « ils ont failli lui donner, finalement ça c'est pas... finalement il n'en a pas mangé bon, ». C'est une manière de se dépatouiller comme on veut. Là n'est pas le sujet. Ce qui est très très intéressant, c'est l'analyse que font les Tosafot. Les Tosafot, ils reprennent ce sujet-là et ils l'opposent à partir de plusieurs contradictions que je ne vais pas aborder maintenant parce qu'on n'a pas le temps et ce n'est pas très important. Et pour répondre à la contradiction, ils disent une phrase extraordinaire à la fin que nous aborderons un tout petit peu dimanche dans notre causerie des 8 chapitres parce que c'est en lien avec ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et ils disent qu'il faut distinguer deux choses. Il y a deux sortes d'interdits alimentaires. Il y a un interdit alimentaire qui est interdit tout le temps. Le porc, on n'en mange jamais. Mais il y a un interdit alimentaire qui est limité dans le temps. Par exemple, le jour de Kippour, c'est interdit de manger. Donc celui qui mange à Kippour, ça s'appelle qu'il mange un ma'achal éther, un aliment permis, bisman à assour, dans un moment où c'est interdit. Pareil pour la matzah. Pour le chametz, pardon, le levain. Manger du levain à Pessah, si je mange du levain à Pessah, je mange de la nourriture permise, puisque c'est permis toute l'année, dans un moment spécifique où la Torah l'a interdit. On apparaît ici, si on y réfléchit bien, la notion de sujet-objet.
qu'on avait abordé beaucoup l'année dernière dans nos causeries du jeudi. Lorsque l'interdit il est toute l'année, on comprend que c'est un interdit d'objet. La Torah interdit le porc, point. Mais lorsque c'est permis toute l'année, mais c'est interdit hein, juste un laps de temps, donc ça veut dire que l'interdit concerne l'homme. L'homme doit faire attention à éviter d'en manger. Maintenant qu'on a dit ça, on va faire la même distinction pour notre sujet qui nous occupe. Et on va considérer que l'interdit de Khatsi Shiur, que ça renvoie uniquement à partir de la moitié, et pas moins que la moitié, ça parle que sur un interdit qui est lié au temps. C'est-à-dire qui est dans un moment spécifique. Philosophiquement, comment on peut l'expliquer? Je vais le dire de cette façon-là. Si la Torah interdit de manger du porc, ça veut dire que le porc, il ne faut pas en manger, quelle que soit la quantité. Mais si la Torah elle interdit de manger quelque chose de permis dans un moment interdit, ça veut dire que ça concerne l'homme, puisqu'il y a des moments où il ne faut pas en manger. Or, pourquoi la Torah elle a interdit la demi-mesure, puisque manger, c'est que la mesure complète? Parce qu'il peut être amené, puisque c'est humain, à en manger encore. Or, le terme hébraïque de mitztaref, d'associés, qu'est-ce que c'est deux associés? C'est ceux qui ont une part égale, sinon ils ne sont plus associés. Donc, 15 plus 15. Donc si je remange exactement la même quantité que j'ai mangé avant, ça s'appelle association. Et là, j'arrive à l'interdit. Ce raisonnement, il est philosophique, mais il nous intéresse un petit peu. Donc maintenant, quand on dit ça, on va tout comprendre. Dans les lois de Ma'achlot Asurot, c'est-à-dire les lois d'interdit alimentaire, puisque Maïmonide parle de tous les interdits alimentaires, donc ça veut dire toute l'année, il emploie le terme de kol shehu, c'est-à-dire même moins que la mesure. Mais si on s'intéresse à un autre texte de Maïmonide, que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, vous voyez, c'est fait exprès, hein, c'est un peu comme les enquêtes policières, on va s'intéresser à ce que dit Maïmonide dans les lois du Kippour. Ilchot Shvitat Asor, le repos du dixième jour de Kippour, qu'on appelle Shvitat Asor. Dans les lois de Shvitat Asor, deuxième chapitre, loi 3, je vais vous dire ce que dit Maïmonide, vous allez voir, c'est un coup de génie en fait. Maïmonide nous dit, alors, excusez-moi, il faut que je retrouve le texte. Alors, voilà, Maïmonide nous dit, Achal ou Shata. S'il a mangé ou il a bu le jour de Kippour, pachut mishiurze, moins que la quantité requise, là-bas en l'occurrence, c'est la quantité d'une date, il dit ino chayav, il n'est pas coupable. Afalpi shiur asur minatora, malgré que c'est quand même interdit minatora, bechatsi shiur, à cause de la moitié de la mesure, là il précise bien la moitié de la mesure, et pas kol shehu. Il dit, la culpabilité commence à partir de la quantité requise. Donc dans les lois de Kippour, Maïmonide dit, moins que la mesure, ça veut dire, Khatsi Shiur, c'est la moitié vraiment. Pourquoi? Parce que Kippour, c'est la nourriture qu'on mange, en réalité, elle est permise. La preuve, c'est que si on est malade, on peut la manger. Un enfant, il peut manger à Kippour, parce que c'est pas de la nourriture interdite. Donc, puisque c'est un interdit, c'est de la nourriture permise dans un moment interdit, c'est la moitié vraiment, c'est pas moins que la moitié. Mais dans Ilchot Hametz ou Matza, dans l'interdit de Hametz, puisqu'on a un verset supplémentaire, donc on ajoute le kol shehu. On dit que c'est interdit, même une quantité infime. Voilà en gros la nuance. Donc je répète très très brièvement, Maïmonide serait d'accord avec le Maram Chalava que la moitié c'est la moitié vraiment et pas moins que la moitié, mais uniquement pour des interdits alimentaires, pour la nourriture qui est permise toute l'année, mais qui est interdite que pendant une partie de l'année. Pessah faisant exception, parce qu'on a un verset spécifique. Par contre, pour tous les autres interdits alimentaires qui sont interdits toute l'année, la Maïmonide ne sera pas d'accord avec lui, et il dira que l'interdit commence à partir du premier gramme. Voilà, moi je vais arrêter la vidéo, qui a duré un petit peu plus longtemps que ce que je pensais.